ce titre vient premièrement de ce que je voulais donner à mon âne un nom biblique. Et je vais donc donner le nom d'un des rois mages. Mais le titre lui-même vient de la devise des contes des Beaux, qui se disait descendant du roi mage Balthazar et qui était au hasard Balthazar. J'aime beaucoup la rime dans le titre et j'aime aussi que ce titre colle exactement à mon sujet. Au hasard Balthazar, c'est notre agitation, nos passions en face d'une créature vivante qui est toute humilité, toute sainteté, et qui, en l'occurrence, est un âne, Balthazar. C'est l'orgueil, l'avarice, le besoin de faire souffrir, la sensualité, au hasard des maîtres entre les mains desquels passe l'âne, et dont il pâtit et finalement meurt. Ce personnage est un peu le Charlot des premiers films de Chaplin. Mais c'est quand même un animal, un âne, un animal érotique qui amène l'érotisme et qui amène en même temps une espèce de spiritualité ou de mysticité chrétienne, parce que c'est l'âne qui est tellement important dans les deux testaments, dans la Bible et dans les évangiles, et aussi que nous retrouvons dans toutes nos églises et nos cathédrales romanes. C'est aussi, au hasard Balthazar, deux lignes qui se rencontrent, qui sont parallèles à certains moments, et puis au contraire qui se traversent. Première ligne, on retrouve dans la vie d'un âne les mêmes étapes que dans la vie d'un homme. L'enfance, les caresses, l'âge mûr, que ce soit homme ou âne, le travail, le talent, le génie, un peu plus tard, et enfin la période mystique qui précède la mort. L'autre ligne, c'est l'âne passe entre les mains de différents maîtres qui représentent des vices. Et il en souffre et il en meurt, comme je viens de le dire. Il y a aussi une autre préoccupation qui a été la mienne pendant que ce film s'élaborait. C'était que le personnage central, qui n'était pas présent tout le temps, mais qui était là tout de même comme la ligne principale qu'on apercevait par moments, mais qui était là quand même comme la ligne principale, c'était l'âne. Et il y a un moment où il faut qu'on sente que l'âne est fait partie de cette ligne principale lui-même, qu'il est le personnage principal. Il fallait donc que tous les événements dont il n'était pas témoin, et dont il n'était témoin que par bouffée, que cet événement s'éloigne de lui. Les autres personnages, il m'est difficile de vous dire comment ils me sont apparus, mais enfin, ils me sont apparus comme cela. Je ne peux pas tellement les expliquer, je les ai vus. Et puis, ils se sont faits peut-être comme se fait un portrait, un tableau. Je ne pourrais pas vous les expliquer comme les expliquerait un romancier. Pour moi, c'est un film sur l'orgueil, essentiellement. Il me semble que tous les personnages, le ressort, ce qui fait marcher pratiquement tous les personnages sans exception, c'est l'orgueil. C'est une espèce de hauteur par rapport aux circonstances, par rapport à l'entourage et même par rapport au monde, enfin par rapport à ce qu'ils sont, si vous voulez. Mais cet orgueil, est-ce qu'il n'est pas, si vous le gardez bien, en tous les gens qui nous entourent Est-ce que c'est pas une chose qui est bonne d'ailleurs et qui est utile? Si nous n'avions pas cet orgueil de nous-mêmes, qu'est-ce que nous serions? Qu'est-ce que nous deviendrions? Cette humanité un peu noire que vous trouvez trop noire, je ne vois pas pourquoi ne pas l'aimer comme une humanité moins noire. Balthazar.
Descendez. Tout de suite. Je le veux. Marie, c'est... C'est au début du film, c'est une petite fille. Et à la fin du film, c'est encore une petite fille. C'est quelqu'un qui ne pourra jamais être adulte, qui sera jamais capable d'un choix, d'un acte raisonné, pesé. Elle agit uniquement par instinct. Elle se laisse faire. Elle subit, enfin elle subit Gérard. Quand elle ne subit pas son père, c'est parce qu'elle subit Gérard. Et à mon avis, elle est perdue dès le départ à cause de ça, à cause de cette passivité complète. Elle subit Gérard ou elle choisit Gérard? Elle le subit, je crois. Je crois. Elle n'est pas, elle est consentante dans la scène de la deux chevaux. Elle est consentante dès le départ, j'ai l'impression. Dès même la première entrevue. Donc, elle le choisit un peu. Gérard, devant Marie, trouve une personne qui ne fait pas partie de son univers. Il la comprend pas tellement, il la comprend même pas du tout. Mais il la désire et
pour la détruire, je crois. Il la désire parce que elle présente quelque chose de relativement pur, de relativement neuf, et lui-même voudrait bien pouvoir détruire ça, parce que c'est une image qui lui est insupportable. Il n'est jamais touché par elle. Non, parce que je ne crois pas qu'il soit assez sensible pour être touché par elle. Il est trop bête, quoi. Je pense que ni l'un ni l'autre ne s'aime. C'est l'amour qui trouve sa place. Mais l'amour sensuel, c'est la sensualité qui domine dans cette scène. Parlons pas d'érotisme, parce que ce mot d'érotisme a été galvaudé et n'a fini par n'avoir plus aucun sens. Mais il me semble que dans cette scène, il ne s'agit pas tellement d'amour que de sensualité. C'est le printemps, les oiseaux chantent, le hasard fait, encore le hasard, qui tient une si grande place dans notre vie, fait que ce garçon est à côté d'elle et fait que elle ressent quelque chose qui la remue. Et l'amour sensuel mais naît à ce moment-là. Et peut-être qu'elle croit que cet amour s'adresse particulièrement à Gérard, mais il est possible que c'était un autre. Cette scène, elle était écrite et décrite sur le papier, ou vous en avez improvisé une partie au moment du tournage? Non, elle était écrite sur du papier, mais entre l'écriture et le tournage, il y a un monde. Je veux dire que il y a quelque chose qui joue avant tout dans un film, à mon sens, c'est le rythme. Tout est dit avant tout en rythme. Il n'y a rien sans rythme. Il n'y a rien sans forme, mais il n'y a rien sans rythme. Il s'agit pour moi de prendre deux personnages dans une telle attitude et de trouver leur rapport. Mais tout ce que vous dites qui se passe, c'est pas passé pendant la prise de vue, c'est passé pendant le montage. C'est au montage que les choses sont apparues, c'est le montage qui crée. L'appareil, la caméra, est un appareil d'enregistrement, n'est pas avec cette précision et cette indifférence, heureusement, de la machine, c'est-à-dire cette énorme précision, et la création du drame se fait au montage. C'est quand les images se mettent en contact les unes avec les autres et en contact avec les sons que ce que vous venez de dire, que l'amour se produit. Il y a des rapports bien obscurs, bien troubles, bien équivoques
entre Marie et Balthazar. Mais c'est une nuit d'amour, dont l'objet n'est pas très défini. Vous savez que l'amour des adolescents peut s'adresser à des choses très, très vagues, très floues. L'amour a besoin de trouver un objet, il ne le trouve pas, bien sûr, sur l'âne, mais l'âne est déjà un intermédiaire, je pense. Je crois que c'est une manifestation de tendresse, d'amour peut-être même, en fait. Mais finalement, c'est assez, enfin, c'est fréquent de fleurir un animal qu'on aime. En pleine nuit, oui, mais pas en pleine nuit. Oui, mais il suffit d'être réveillé à ce moment-là. La grande difficulté, c'est que tout art est abstrait et en même temps suggestif. Il ne faut pas tout montrer. Quand on montre tout, il n'y a pas d'art. L'art va avec la suggestion. La grande difficulté dans ce cinématographe, c'est justement de ne pas montrer. En réalité, le maximum, l'idéal, serait de ne rien montrer du tout, mais ce n'est pas possible. Il faut donc montrer les choses sous un angle, un seul angle qui évoque tous les autres angles, mais ne pas tout montrer les autres. Il faut peu à peu laisser le spectateur deviner, espérer deviner, et le tenir tout le temps dans une espèce d'attente qui vient de ce que, en effet, comme je vous disais tout à l'heure, la cause est montrée après les faits. Il faut garder le mystère, nous vivons dans le mystère, il faut que ce mystère soit sur l'écran. Il faut toujours que l'effet des choses vienne avant leur cause, comme il arrive dans la vie. La plupart des événements que nous voyons s'accomplir, leur cause est inconnue. Nous voyons leurs effets et c'est plus tard que nous découvrons leur cause. Comme c'est laid chez vous. C'est ici qu'on aimerait mourir. On n'aurait rien à regretter. Qui parle de mourir? Moi. Vous ne croyez à rien? Je crois à ce que je possède. J'aime l'argent. Je déteste la mort. Vous mourrez quand même, comme les autres. Je les enterrerai tous. Vous êtes vieux? Pas tant que ça. Vous n'êtes pas beau. Laisse-moi manger, vieux Grigou. Je crève de faim. On dit que vous cachez des pièces d'or et des billets dans vos chaussures. À quoi ça vous sert?
Vous êtes riche et vous n'avez pas l'électricité. Nous, nous n'avons plus rien. Le peu qui nous reste, la maison, le jardin, n'est même pas à nous. Papa a distribué son dernier sou, créancier. Voilà ce qui arrive quand on met la probité et l'honneur au-dessus de tout. Ton père aura passé toute sa vie à se créer des devoirs et des obligations. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas un habitant sur 10 qui croit à son innocence. Est-ce que j'ai des devoirs, moi, des obligations? Je suis libre, obligé à rien, sauf à ce qui peut m'être utile et dont je peux tirer profit, et plutôt gros profit que petit profit. La vie n'est qu'un champ de foire, un marché où la parole même n'est pas nécessaire. Le billet de banque suffit. Payez les gens, c'est s'acquitter de tous ces devoirs et obligations envers eux, bien qu'il vaudrait mieux ne pas les payer et les faire travailler pour rien. Tout le monde ne voit pas les choses sous le même angle. On apprend vite qu'on peut tout se permettre et avoir en même temps l'estime et la considération des gens. C'est une question de culot, d'aplomb. Reprenez-les. Ce n'est pas d'argent que j'ai besoin, mais d'un ami. Oui, oui, d'un ami. Qui me donne les renseignements qu'il me faut pour m'enfuir. J'ai toujours voulu m'enfuir. T'enfuir? M'enfuir. Marie se réfugie chez cet homme parce que c'est son dernier refuge. Et elle est devenue assez habile, assez adroite, assez rusée pour les moustiller un peu de façon à ce qu'il la laisse bien entrer, coucher sur la paille. Et puis le reste, elle va plus loin parce que maintenant elle est assez expérimentée. Mais après, elle le traite tout de même avec un grand mépris. Puis alors, il y a les... Qu'est-ce qui se passe entre eux cette nuit-là? Il se passe des mouvements très contradictoires et qui, au fond, sont dominés par une grande droiture, une grande netteté, honnêteté de la fille. C'est-à-dire qu'elle accepte l'argent d'abord, puisqu'elle en manque tellement. Et au fond, peut-être pense-t-elle à son père, à donner à son père cet argent qui n'a plus un sou et qui a été roulé par l'avare lui-même. Et puis, entendant la déclaration cynique de l'avare, qui la rend extrêmement triste, elle voit bien que l'argent n'est pas tout comme il le dit, elle lui rend l'argent. Donc là, elle a de la grandeur. Ce qui se passe après, je n'en sais pas plus que vous. Je ne sais pas si elle reste... si elle est l'amie de l'avare pour la nuit ou si elle est simplement quelqu'un qui vient chercher refuge sur une chaise et qui attend que le jour se lève. Est-ce que vous n'êtes pas un peu attendri quand Marie vient vous voir? Est-ce qu'elle ne fait pas tomber vos préventions et votre méchanceté? Un moment, certainement. Certainement, il y a une tentation. Il y a une tentation d'humanité avant que un mouvement lascif ne vienne par un détour. Et du reste, en ce qui concerne ce moment capital, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, ce qui doit se passer. Allons plus loin, monsieur. On ne sait pas ce qui s'est passé. Au lendemain, lorsque le marchand de grains reçoit les parents et dit « Elle était là il y a une heure », évidemment, le spectateur ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et je trouve ça, justement, très remarquable que Robert Bresson n'ait pas du tout insisté. Qui est Marie pour vous? Il est difficile de dire que Marie soit vraiment le type de la jeune fille actuelle. Je crois que elle est ce qu'elle représente dans ce film, c'est-à-dire une sensibilité déroutée, et qui reste tout de même très pure. Qui reste très pure.
Il est désespéré, adoucissez-lui le cœur. Depuis le journal de la curée de campagne jusqu'à Oazar Balthazar, Dieu est présent, explicitement présent. Il est là, rédempteur. J'ai l'impression, dans Oazar Balthazar, d'un monde sans Dieu, d'un monde fermé à Dieu. Mais d'abord, je ne crois pas que le fait de parler de Dieu, de prononcer le nom de Dieu, soit indique sa présence. Si j'arrive, par les moyens du cinématographe, à représenter un être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui a une âme, qui n'est pas une marionnette qui s'agite. S'il y a présence humaine, il y a présence divine. Et ce n'est pas parce que le nom de Dieu est prononcé que Dieu est plus ou moins présent. Non, mais c'est la première fois, à ma connaissance, dans un film de vous, à mon souvenir, que un personnage, le père de Marie, refuse Dieu. Mais s'il refuse Dieu, c'est donc que Dieu existe, c'est donc que Dieu est présent. Si vous voulez, mais brusquement, Dieu n'est plus salutaire. Dieu reste étranger aux hommes, ce que vous n'aviez pas fait jusqu'à présent, pas dit jusqu'à présent. Oui, mais je n'ai pas l'impression que vous avez que Dieu est absent du film, pour les raisons que je viens de dire. Quel rôle donnez-vous à la parole dans un film, dans une œuvre comme la vôtre? Je crois que la parole doit dire tout ce que l'image ne peut pas dire. Et avant de faire parler les personnages, je crois qu'il faut voir tout ce qu'on peut leur faire dire, avec les regards surtout, et avec les attitudes, avec les certains rapports. Certaines façons de se comporter, et que la parole n'est là que pour aller encore plus au fond des choses quand on veut aller très au fond. En somme, il faudrait que les idées soient inscrites sur le film avec des images sœurs et avec des sons équivalents, et que la parole ne vienne que tout à fait au dernier moment en secours. Parce que je n'aime pas beaucoup parler technique, je crois qu'il n'y a pas de technique, mais mettons une manie que j'ai d'aplatir toutes les images. Pour une bonne raison, c'est que je crois, ou plutôt je suis sûr, que il n'y a pas d'art sans transformation, et qu'il n'y a pas de cinématographe sans transformation d'image. Je veux dire que si une image reste telle qu'elle était, prise isolément sur l'écran, et ne change pas quand vous la mettez à côté d'une autre image, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de cinématographe. Donc, pour arriver à ce résultat, une image qui porte le sceau de l'art dramatique n'est pas transformable, parce qu'elle porte le sceau de notre art. Comme une table qui aurait été faite avec des bois déjà sculptés ne serait pas vraiment cette table. La sculpture influerait sur cette table.
Il s'agit d'avoir des images absolument pures de tout autre art, et donc surtout de l'art dramatique, et qui puissent se transformer au contact d'autres images et au contact de sons. La grande difficulté dans le cinématographe, je dis cinématographe par rapport, par opposition à cinéma. Par cinéma, j'entends les films habituels qui sont pour moi du théâtre photographié. C'est-à-dire que le metteur en scène fait jouer la comédie à des acteurs et photographie cette comédie. Pour moi, le cinématographe est tout à fait autre chose. C'est un art autonome qui est fait de rapports d'images avec des images, de rapports d'images avec des sons, de rapports de sons avec des sons. À ce moment-là, il y a art et il n'y a pas, il y a vraiment création, il n'y a pas reproduction. Quand on fait jouer la comédie à des acteurs et qu'on photographie ces acteurs jouant la comédie, la caméra sert d'appareil de reproduction, ne sert pas d'appareil de création. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui, je comprends très bien. Dans le domaine du théâtre, on fait jouer la comédie à des acteurs qui sont des acteurs de cinéma et de théâtre, les deux à la fois, et on les photographie jouant cette comédie. Pour moi, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Il s'agit d'images et de sons, d'images qui, au contact les unes des autres, se transforment. Mais il faut que ces images aient une certaine qualité. Cette qualité, c'est une qualité peut-être de neutralité. Il ne faut pas qu'ils portent trop, c'est très difficile à faire, trop en eux un sens dramatique. Ça doit être seulement le contact avec d'autres images qui leur donnent ce sens dramatique. C'est là toute la difficulté de ça. Et de se rendre compte comment cette image doit être prise, sous quel angle, comment la prendre de façon à ce qu'elle ait surtout une valeur d'échange. Monsieur Guylain Cloquet, directeur de la photographie. Nous avons eu, à travers ce film, nous, techniciens, l'occasion de nous rendre compte que sa formule qui consiste à n'employer qu'un objectif unique pour tout un film, et d'ailleurs un objectif d'assez longue focale, un 50, c'est-à-dire en fin de compte assez astreignant, imposant des limites extrêmement précises, cet générateur, comme toutes les règles que dure, ces générateurs de vraiment de conséquences absolument inattendues et merveilleuses. C'est un peu la surprise dont il parle quand il parle de ce qui arrive avec un acteur qu'on a tellement brisé qu'il se passe quelque chose. Par exemple, sur le plan du 50, ce qui est frappant, c'est qu'en effet, sa mise en scène ne préexiste pas. Et puis, le 50... où la caméra aurait à s'arranger des circonstances pour la traduire, il la cherche avec le 50, et c'est le 50 quelquefois qui donne une solution parce que c'est la seule. D'où un style de découpage, un style de récit qui, en définitive, est d'une très grande unité et d'une très grande fluidité. Par exemple, le travail de caméra pour le caméraman, ce que je n'étais pas, c'est un de mes équipiers qui était caméraman. Ça devient un travail extraordinairement continu et extrêmement cohérent. Autant le théâtre est un art extérieur et décoratif, ce qui n'est pas du tout péjoratif dans mon esprit, autant la destination du cinématographe, je ne dis pas cinéma, du cinématographe, c'est-à-dire de l'art cinématographique, s'il existe, et l'intériorisation, l'intimité, l'isolement, c'est-à-dire la profondeur. Adieu, ma chère et pauvre amie. Condamné à passer ici le reste de tes jours à voir se promener les mêmes imbéciles. Vieux pote, adieu. Et toi, mon camarade?
pour moi, le cinématographe est l'art de la chose en place, en quoi d'ailleurs il ressemble à tous les autres arts. On connaît l'anecdote de Jean-Sébastien Bach jouant pour un de ses élèves. L'élève déborde d'admiration et Bach dit « Il n'y a rien à admirer, il s'agit de frapper la note juste au bon moment et c'est l'orgue qui fait le reste. » Faites pas de bruitisme ou de bruitage, mais vous avez exagéré votre son. Alors que vous avez réduit le son de la parole, vous exagérez le son des objets. Quelquefois, je les réduis, quelquefois, je leur donne au contraire une plénitude ou une importance qu'ils n'ont pas, selon le, intuitivement et selon le sens de, le, du déroulement de, du film. D'autre part, vous demandez à vos personnages de s'exprimer par leurs gestes et leurs attitudes. Ces gestes et ces attitudes, eux aussi, vous les restreignez. Marie ! Marie ! Marie ! Nous tombons encore dans de la technique, non, plutôt dans ma manie de mécanisme. Je crois que la plupart de nos gestes et même de nos paroles sont automatiques. Je crois que si vous avez les mains sur vos genoux, c'est pas vous qui avez mis vos mains sur vos genoux. Il y a dans Montaigne un chapitre merveilleux sur justement ce que fait la main qui ne va pas où nous ne l'envoyons pas. La main est autonome. Nos gestes, nos membres sont presque autonomes. Nous ne commandons plus. C'est cela qui est du cinématographe. Ce qui n'est pas cinématographe, c'est de penser un geste, de penser une parole. Nous ne pensons pas nos paroles. Les paroles arrivent au fur et à mesure que nous les pensons, et même peut-être sont nos paroles qui nous font penser. Vous voyez ce que le théâtre a d'anti-vrai, anti-naturel. Et ce que j'essaie, au contraire, de retrouver dans mes films, c'est une espèce de vérité. Je suis peut-être un maniaque du vrai. Il s'agit de toute autre chose qui n'empêche pas que vous transformez vos personnages à votre image ou à l'image de ce que vous voulez, plutôt que vous ne les laissez s'épanouir à leur image. C'est un curieux mélange. C'est un mélange d'eux et de moi, une espèce de lumière venant d'eux sur moi et de moi allant de moi à eux. C'est une espèce d'amalgame obtenu non pas par une direction d'acteur ou par une mise en scène, mais par une sorte de divination, d'accord réciproque, une espèce d'amitié sur toute chose, et absolument pas, je le répète, de direction d'acteur, pas de mise en scène. Elle dit tout, cette expression mise en scène, elle dit que le cinéma actuel, je l'oppose encore une fois à cinématographe, le cinéma actuel est bien du théâtre photographié. Je m'excuse de le dire encore, de le répéter. Vous ne vous concevez pas comme un metteur en scène? Pas du tout. Ni même comme un cinéaste. Robert Bresson, profession. Quelqu'un m'a appelé un jour metteur en ordre. J'aime mieux, c'est pas très joli, mais j'aime mieux metteur en ordre que metteur en scène. Quand je ne vois pas où est la scène. Mais pourquoi ne laissez-vous pas alors les personnages que vous prenez, vous ne choisissez pas du tout au hasard, improviser un peu plus? Mais ils improvisent, mais pas de la façon que vous pensez. C'est-à-dire que je voudrais que l'esprit soit absolument en dehors de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on rabâche, qu'on répète 50 fois s'il le faut, de façon que l'esprit ne prenne plus part ni aux paroles, ni aux gestes. Et une fois que cet automatisme est là,
lancer le personnage dans l'action du film. Il se passe des choses absolument imprévisibles, mais qui sont 100 fois plus justes qu'elles ne le sont au théâtre, où l'acteur a appris par cœur des textes et pense son texte et pense ses gestes. Il n'y a aucune chance pour qu'il tombe juste. Et là, vous avez quelquefois des gestes inattendus de la part de votre interprète. Tout le temps. Voilà l'imprévu. Mais l'imprévu n'est pas au moment... On ne peut pas copier la vie. Il faut essayer de trouver un truc pour arriver à la vie sans la copier. Si on copie la vie, on n'arrive pas à la vie, on arrive à quelque chose de faux. Et c'est par un mécanisme que je crois qu'on peut arriver à une vérité et même à une réalité. Et vous n'avez pas eu de difficultés avec l'âne, par exemple ? J'ai eu de grandes difficultés avec l'âne parce que je ne voulais pas que l'âne fût un âne savant. Et même en écrivant, en composant le film, je me méfiais terriblement de ce côté âne dressé que pourrait avoir ce personnage animal. Et maintenant, mesdames, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur de vous présenter le cerveau le plus puissant du siècle. Quelqu'un dans l'assistance veut-il bien m'indiquer un nombre de trois chiffres ? 772. 834. 834. Puis un seul chiffre de 2 à 9 au choix. 7. 3. Maintenant, notre calculateur va nous faire tout de suite et de tête l'opération. Zéro. Cinq. Je ne voulais pas qu'il soit professionnel. Et il y a. Et la scène de cirque, la scène de l'âne calculateur, a été tournée longtemps après que j'ai fini de tourner le reste, pour donner le temps au dresseur de dresser l'âne et l'apprendre à calculer. Vu que j'ai attendu 2 mois pour tourner juste cette scène qui s'est intégrée au film 2 mois plus tard. De façon à ce que l'âne soit un animal absolument pur de tout dressage, de toute falsification. Mais cela fait ceci, c'est que cet âne a fait tout ce que je pensais qu'il ne ferait pas et tout ce que je pensais qu'il ferait, il ne l'a pas fait. C'est pas, il me semble que ce que vous demandez à vos interprètes, monsieur... ressemble un peu à ces exercices psychiatriques que l'on appelle des psychodrames et que dont on a d'ailleurs essayé de faire des œuvres d'art. Vous les mettez en situation et vous les demandez d'aller à la limite d'eux-mêmes intérieurement. Ce qui m'intéresse en eux, ce n'est pas ce qu'ils me montrent, c'est ce qu'ils me cachent. Et vous arrivez à filmer ce qu'ils cachent. Grâce à cet extraordinaire appareil, ce miracle d'appareil qui est la caméra. Et ce qui m'étonne justement, c'est que, avec un appareil tellement extraordinaire, capable d'enregistrer des choses que notre œil n'est pas capable d'enregistrer, ou plutôt qu'il enregistre mais que notre esprit n'enregistre pas, s'en servir uniquement pour nous montrer du truqué, du falsifié. C'est ça qui m'étonne. Est-ce que le fait qu'il y ait pour vous des comédiens professionnels est un élément de ce trucage, de cette falsification ? Parce qu'après tout, vous ne travaillez plus jamais depuis. Depuis l'âne du Bois de Boulogne, vous ne travaillez plus jamais avec des comédiens professionnels. Non. Bien sûr, parce qu'il est difficile, il est même impossible de changer la nature d'un comédien. Il y a un mot de Chateaubriand qui s'applique au poète du 17e, je crois, et qui est, à peu près, il ne manque pas de naturel, il manque de nature.
Oui. Le naturel au théâtre est quelque chose qui s'apprend et qui est qui s'appuie sur des sentiments étudiés. La nature, c'est la nature. C'est cela qu'il faut toucher, c'est ça notre matière première. Notre matière première dans le cinématographe, ce n'est pas l'acteur, c'est l'homme. Je voudrais, sans faire de problème de personne, prendre des comédiens qui sont des natures tout de même. Par exemple, Michel Simon, en France, était une nature. Oui, mais là encore, vous allez m'obliger à aller trop loin. Je vous en prie. Et à vous dire ce que je pense du jeu de l'acteur. Le jeu de l'acteur, c'est tout simplement une projection. C'est une projection du personnage qu'il a imaginé devant lui. Et il se projette en même temps que lui sur les... Il se regarde, il se surveille. Et si dans un film, la même chose se passe, si un acteur se projette, qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste rien du tout. Ce personnage est vide. C'est ce qu'on peut remarquer très souvent dans les gros plans, c'est une espèce d'absence de l'acteur, absence de son image même. Tandis que vous pensez qu'en faisant appel à des gens qui ne sont pas des comédiens, qui n'ont pas de déformation et qui ne se surveillent moins, vous arrivez à plus de vérité. Le talent, le grand talent est la chose si difficile et qui, au fond, est ce qu'on appelle le charme chez des gens dans la vie, c'est ce charme des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. C'est cela ce que je cherche. C'est le grand charme. Et c'est ce qu'il faut retrouver dans le cinématographe. Et c'est en quoi le cinématographe peut aller très loin, ben je ne suis pas, je le répète, psychanalyste ni psychologue, qui peut aller très loin dans la psychologie et la psychanalyse. On dit, je ne sais pas si c'est exact, que vous ne remettez pas à vos, interprètes, vous ne remettez pas à vos interprètes l'intégralité de votre scénario. Ils ne savent pas l'histoire dans laquelle ils vont avoir à se débattre. Non, ce n'est pas exact. Ils savent, ils ont le scénario, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qu'ils font quand ils tournent. C'est-à-dire que contrairement aux usages du cinéma, dans mon cinématographe, je ne leur montre pas tous les soirs le travail de la veille. Mais je ne leur montre jamais ce qu'ils ont fait de façon à ce qu'ils ne se voient pas sur l'écran comme dans un miroir et qu'ils ne se corrigent pas, comme font tous les acteurs. Qui se disent, tiens, j'ai mis mon nez trop à droite, je vais le mettre un petit peu à gauche, il sera beaucoup mieux la prochaine fois, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Comment demandez-vous à vos interprètes d'apprendre leur texte? Quelle participation ont-ils à ce texte? Je leur demande d'apprendre leur texte non comme quelque chose qui a un sens, mais quelque chose qui n'a pas de sens, que les mots ne soient uniquement des syllabes, que les phrases ne soient pas seulement des mots, mais soient des syllabes. Et que le sens ne vienne qu'à leur insu, au moment où, comme je vous le disais tout à l'heure, je les lâche dans les péripéties du film. Brusquement, ils apprennent quelque chose en une langue étrangère, et la traduction ne leur en est donnée qu'au moment où ils sont lâchés. Exactement, si vous voulez, oui. Mais vous faites des séquences assez longues pour leur permettre, ou des plans assez longs pour leur permettre de s'exprimer. Et pour moi, la substance du cinématographe n'est pas ces gestes et ces mots, c'est ce que provoquent ces gestes et ces mots. C'est-à-dire ce qui est absolument indépendant de moi, et même d'eux. C'est-à-dire ce qui est fait absolument à leur insu. C'est ce que dégagent ces gestes et ses paroles, et qui se lisent sur leur attitude, sur leur visage. Vous connaissez le mot de Montaigne qui dit « les gestes nous découvrent ». Monsieur Louis Malle. Oui, je pense que effectivement, Balthazar fait avec des comédiens professionnels, il y aurait, je ne sais pas, quelque chose de pas juste dans le ton du film. Il me semble qu'il faut absolument que ce soit des visages inconnus, qu'il faut que ce soit des gens qui n'aient aucun rapport avec l'art dramatique, si vous voulez. Je crois que ce qui est tout à fait exceptionnel chez Bresson, et particulièrement dans ce film, c'est que c'est un cinéma qui a brisé tout rapport possible avec l'art dramatique. C'est un cinéma
de la vie intérieure, si vous voulez. C'est un cinéma, je sais pas, qu'on peut assimiler à tout ce qu'on veut, qu'on peut assimiler à de la musique, qu'on peut assimiler à la peinture, on peut s'amuser à ce genre de choses, et qui, je crois, est surtout l'expression d'une pensée. Mais, si vous voulez, en général, quand les cinéastes passent à l'action, si vous voulez, ils chargent ce qu'on appelle des interprètes, qui sont des comédiens professionnels, d'exprimer cette pensée. Et ces gens qui travaillent avec leur ficelle, leur truc, leur talent, je dirais même que c'est leur talent qui est gênant, forcément s'interpose et empêche, si vous voulez, la pensée de Bresson l'empêcherait de garder toute sa justesse. Ça risquerait de la détourner, de l'influencer, peut-être de l'enrichir, j'en sais rien. On peut le penser, on peut prétendre que effectivement les comédiens enrichissent un film, mais en tout cas ça la déformerait. Alors qu'évidemment, quand il prend des inconnus, quand il les choisit, quand il les fait travailler, qu'il s'agit, si vous voulez, qu'il travaille en terrain tout à fait vierge, il est évident que ça lui permet de garder absolument intact l'idée qu'il se fait de son film. Et je crois que, si vous voulez, c'est dans son cas, c'est indiscutable. Je voulais maintenant venir au scénario. Il est admirablement construit. Mais que d'ellipses. Que d'ellipses. Que le point d'interrogation. Par exemple, à un moment donné, Gérard est convoqué à la gendarmerie. Savez-vous que personne ne sait pourquoi il est convoqué à la gendarmerie? Mais moi non plus. Non, je plaisante, mais je voudrais que toutes les précisions historiques soient éliminées d'un film. Quelqu'un est convoqué à la gendarmerie, nous allons bien voir ce qui va se passer. Mais je crois qu'il y a une règle qui est bonne, car il faut tout de même qu'il y ait des règles quand ce serait que pour leur désobéir. C'est de montrer toujours les faits avant la cause. Il faut que la cause soit désirée ardemment pour que vos images, votre film, attirent l'intérêt du spectateur. Ce garçon est convoqué à la gendarmerie, on ne sait pas pourquoi, et là, on croit savoir pourquoi un meurtre a été commis. Mais peu importe par qui, on croit que c'est par lui, puis on s'aperçoit que ce n'est pas par lui, on croit que c'est par le clochard Arnold, mais ce n'est pas par lui non plus. Peu importe après l'histoire, peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas au courant, ne seront jamais au courant de ce qui s'est passé. Peut-être que ce n'était pas un meurtre, peut-être que c'était un accident. Mais le fait que ce soit le meurtre commis par un autre ou un accident n'entre absolument pas dans mon histoire. Et ce que j'essaie toujours de faire, c'est de supprimer catégoriquement tout ce qui n'est pas absolument essentiel. Je crois, je me trompe peut-être, que les arts sont sur leur déclin, sur leur fin, qu'ils sont en train de mourir, peut-être par trop de liberté, peut-être à cause de cette diffusion extraordinaire qu'ont toutes les choses en ce moment. Je crois que le cinéma, la radio, la télévision tuent les arts. Mais je crois aussi en quelque chose de curieux, c'est que c'est peut-être justement par le cinématographe, la radio, la télévision, que ces arts renaîtront, peut-être tout à fait sous une autre forme, et peut-être même que le mot art n'aura plus le même sens. Mais il me semble qu'il y a là un espoir. Je crois, en effet, au cinématographe, comme dans un art absolument neuf, dont peut-être nous n'avons pas encore même tout à fait l'idée. Je crois en une muse cinématographe. Degas, le peintre Degas, disait « Les muses ne se parlent pas, elles dansent les unes avec les autres. » Je crois, en effet, que le cinématographe est ou sera bientôt un art absolument autonome qui n'est pas ce qu'on prétend qu'il est ou qu'il doit être, la synthèse des autres arts. C'est un art absolument, absolument fermé et absolument autonome. Et vous pensez qu'il ne va plus se limiter à être ce qu'il a été pour l'essentiel, un art de divertissement? Il est très possible que le cinéma, opposé au cinématographe, continue d'exister. Il n'y a pas de raison que le cinéma divertissement ne continue pas.
mais je crois fermement en un cinématographe, art sérieux, et qui ne sera pas un divertissement, qui sera au contraire un moyen d'approfondissement des choses, une espèce d'aide à l'approfondissement de l'homme, peut-être un moyen de découverte de l'homme.